Alors, nous sommes chez Freddy et Carole, au Safran de Rodez. Alors, nous sommes cultivateurs de safran depuis 2010, et cette année, nous avons une excellente récolte. Bon, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on prend en moyenne 20 à 30 000 fleurs par jour, avec un pic qui est monté à 60 000, et puis depuis, on ne les compte plus, parce qu'on n'y est plus. Alors, en quoi consiste le travail que vous êtes en train de filmer? C'est la phase de l'émondage. Donc, nous avons cueilli toutes ces fleurs le matin. Il faut que donc, la fleur naît pendant la nuit, elle commence à pousser. Le matin, elle sort en bouton, dans cet état-là à peu près. Nous essayons de l'accueillir quand elle n'est pas encore trop ouverte, tant que faire se peut, parce que quand il y a beaucoup de fleurs, eh bien, il faut le temps de les cueillir, puis au fur et à mesure de la journée, elles commencent à s'ouvrir. Les abeilles font leur œuvre, les bourdons s'y mettent aussi, et puis la fleur s'ouvre. Alors, on essaye d'être avant eux, tout simplement. Voilà. Alors, nous cueillons les fleurs pendant le matin, jusqu'à 2h de l'après-midi aujourd'hui. Nous avons ramené à peu près 8 ou 9 cajots pleins de fleurs. Ça doit faire dans les 30-40 000, je ne sais pas. Alors, pour le moment, nous sommes en train de procéder à la phase d'émondage. Nous émondons les fleurs, c'est-à-dire la phase qui consiste à séparer le pistil de chaque fleur. Donc le pistil naît du bulbe qui est en terre, monte, il est de couleur blanche et puis devient jaune-orangé et seul est gardée la partie rouge qui s'appelle les stigmates quand le pistil se divise en trois parties. Et les stigmates constitueront, après séchage, l'épice de safran. Donc nous gardons seulement le rouge, parce que seulement le rouge donc, a le pouvoir organoleptique maximum de l'épice. Donc tout ce qui n'est pas rouge dans ce pistil est absolument inopérant. Donc nous gardons seulement ce qui a de rouge. Je souligne cela parce que les safrans orientaux sont cueillis entièrement et séchés dans cet état. Et la partie inférieure qui est blanc-jaune, en fait, n'est absolument pas opérante, mais peut constituer jusqu'à 30% du poids. Quand on considère le prix du safran, on a compris que c'est bien inutile de payer 30% de prix en plus. Alors, ce safran cultivé en France par nous et par d'autres est supérieur aux safrans orientaux pour des raisons bien précises. En fait, c'est surtout grâce à nos techniques de séchage. Alors le séchage du safran chez nous est en fait un séchage de type court, donc sur une petite... un petit laps de temps qui dure 40-45 minutes, suivant l'hygrométrie de la pièce, bien sûr. Voilà. Alors, donc, quand il est séché rapidement, à une température de 55 degrés, pas supérieure, parce que sinon ça brûlerait l'épice, eh bien nous retenons vraiment au cœur du filament donc, toute sa valeur de saveur aromatique, donc toutes ses qualités du problème électrique. Alors, il y a pour le safran une seule norme reconnue mondialement pour déterminer la qualité. Il s'agit de la norme ISO 3632 safran. Alors, cette norme, en fait, a été calculée en laboratoire après analyse sur des valeurs donc de safranal, de crocine et de picrocrocine, qui sont les molécules donc, qui déterminent l'amertume, la couleur, le pouvoir colorant et le goût safrané. Et ces valeurs, en fait, ont été arrêtées sur les meilleurs safrans iraniens.
Alors, il faut savoir que le safran iranien donc, est issu de culture traditionnelle et ancestrale dans leur pays, et manquant d'électricité, ne peuvent pas se permettre un séchage court comme nous le faisons ici, parce que nous avons simplement l'électricité et que nous pouvons mettre en œuvre le séchage par des fours ou des dessicateurs à épices. Et donc, ils sont obligés de se servir d'une des seules énergies dont ils disposent, à savoir le soleil. Et il faut savoir que le safran est affecté par les UV. Donc si le pistil ici est exposé aux UV pendant de longues heures, ce qui est le cas dans ce pays quand ils font des séchages, puisque le séchage demande à l'état naturel donc entre 24 et 48 heures, suivant l'humidité ou la sécheresse ambiante. Et donc, s'il est exposé pendant tout ce temps-là à ses UV, le pouvoir organoleptique en pâtit énormément. Et notre safran cultivé en France, en fait, est supérieur de 30 à 40% par rapport au maximum qualité 1 de la norme ISO 3602. Donc, la norme ISO 3602, donc, je répète, c'est la seule base officielle pour comparer les qualités de safran, est divisée, répartie, si vous voulez, en quatre catégories. Donc, il y a la catégorie 1, qui est le maximum donc, des meilleurs safrans iraniens, la catégorie 2, la catégorie 3, la catégorie 4. Donc, moins les valeurs des molécules que je citais tout à l'heure, à savoir le safranal, le crocyl, le glycosyl, est élevé, plus on descend en catégorie. Alors, chez nous, comme partout en France, en tout cas pour ceux qui pratiquent la culture du safran dans les règles de l'art, ces valeurs sont augmentées de 30 à 40%. Et donc nous avons un safran supérieur tout simplement par la technique de séchage et le soin que nous apportons à bien séparer donc, le jaune du rouge et ne garder que le rouge. Et donc la personne qui achète du safran en France, et dans de plus en plus de pays européens, paye le grammage qu'il va consommer. Il ne va pas payer inutilement donc, du blanc ou du jaune dans ce safran. Donc ça veut dire que un safran fait en France va être beaucoup plus fort, puisque les valeurs organoleptiques de cette épice, comme je le disais tout à l'heure, donc sont 30 à 40% supérieurs au safran orientaux. Mais il va être aussi assez économique, somme toute. Parce que on dit souvent, le safran c'est l'or rouge. L'or rouge, pour moi, ça a une connotation un peu de richesse, comme ça, bon, celui qui fait du safran, il a de l'or dans les mains, il le vend, ça coûte très cher, c'est l'épice la plus chère du monde, tout ça, c'est du blabla auquel je n'adhère pas. Parce que, en fait, le safran que nous utilisons coûte à peu près en moyenne 30 euros, 32 euros le gramme au consommateur. Et 32 euros le gramme vous permet d'assaisonner en moyenne 80 portions cuisinées. Alors si vous faites la division de 32 euros par 80, ça vous donne 40 centimes, quelque chose comme ça, dans l'assiette de la personne qui déguste un plat de safran. Donc est-ce cher? Moi je ne pense pas. Donc l'eau rouge, ok, c'est vrai que c'est l'épice la plus chère du monde au kilo. Mais bon, pour un kilo, vous avez pour 80 000 personnes. Voilà. Donc tout est relatif. Bon, pour moi, le safran n'est pas une épice chère, dès lors que l'on considère que manger sainement et d'une manière goûteuse, là, on peut effacer parfois des... Ouais. D'accord, je recommence. Donc le safran n'est pas une épice chère. Donc ça apporte en saveur, et économiquement ce n'est pas insupportable. Le chef de cuisine en France qui pratique donc, sur la cuisine au safran sait d'ores et déjà qu'il va en avoir pour un surplus
de 40 centimes dans son assiette, dans l'assiette qu'il propose à son client. Donc là, il peut peut-être majorer son prix de 2 ou 3 euros, il n'en est que gagnant. Et il faut savoir que la majorité des cuisiniers donc, qui reconnaissent vraiment le safran comme étant une épice avec laquelle on peut faire énormément de choses, qui peut permettre d'être très créatif en cuisine, reconnaît que vraiment le safran français, bien utilisé, finalement, n'a pas une incidence de prix. Et on a ici l'exemple d'un pot de safran qui fait exactement un gramme. Un gramme. Donc voilà. Voilà, c'est un safran donc, qui est labellisé bio, où un gramme est indiqué, c'est le safran de Rhodes. Voilà, et la quantité, ça vous donne à peu près. Donc c'est un petit pot comme ça rempli de pistil rouge, avec la date de la récolte 2013, et une date limite d'utilisation optimum jusque fin 2015. Voilà, donc toutes ces indications sont nécessaires pour pouvoir vendre le safran et assurer la traçabilité et la qualité. Voilà, donc je voulais parler aussi du travail que ça représente un peu. Donc ce n'est pas sans effort que d'obtenir cette épice magique, puisque l'on sait que pour obtenir un gramme de safran, il faille en moyenne 250 fleurs, donc trois fois plus de stigmates, 750 en moyenne stigmates pour obtenir un gramme de safran. Je dis en moyenne pourquoi ? Parce que en début de cueillette, en début de saison de cueillette, la fleur va être plus puissante, plus forte, va développer des stigmates beaucoup plus lourds, on va dire, et on sera plutôt aux alentours de 150-160 fleurs au gramme. Et en fin de saison, le bulbe commence à s'épuiser, les fleurs qui sortent sont plus petites, les stigmates plus légers, et on peut atteindre 250, 300, 350, même en fin de cueillette, fleurs pour un gramme. Si on fait la moyenne, je ne suis pas dans le faux en disant donc, qu'il faille en moyenne 250 fleurs par gramme. Voilà. Et alors, au niveau du travail que cela représente, donc, il faut imaginer, donc ici, sur la table, il y avait avant qu'on commence entre 4 et 6 000 fleurs, comme ça, imaginez. Donc nous avons donc, aujourd'hui produit l'équivalent de 8 fois ceci. Voilà. Et depuis le début de la semaine, c'est dans cet état-là. Donc, on commence à être un peu sur les genoux. C'est un travail dur, de patience, et qui demande pas mal d'intervenants. Ce qui explique qu'on peut difficilement descendre les prix pour... On ne pourrait pas prétendre, bien entendu, être dans les prix de ce qui se vend venant de l'étranger, mais une fois, les chefs de cuisine sont plutôt partisans à utiliser notre épice à nous, parce qu'ils y gagnent en saveur. Et le prix, comme j'expliquais tout à l'heure, n'a pas une incidence énorme. Que l'on paye un safran 10 euros le gramme ou 30 euros le gramme, ça fait une différence entre 15 centimes et 40 centimes dans l'assiette. Donc où il y a réellement l'incidence. Voilà. C'est pour ça que je pense que le safran français a un bel avenir. Nous, en France, produisons, je pense, parce qu'il n'y a pas de statistiques vraiment officielles, mais par rapport à l'augmentation du nombre de producteurs, qui, ma foi, est quand même sensible, mais qui se traduit surtout par des petites exploitations et des moyennes exploitations. Il y a quelques grandes exploitations. J'appelle grande exploitation 3 à 4 kilos. Ici, nous allons atteindre 800 grammes, peut-être 1 kilo cette année, donc nous sommes une moyenne exploitation. Mais l'ensemble des safraniers de France produit, je dirais, en 2012 à peu près, je dirais peut-être entre 60 et 80 kilos. Voilà. Alors que l'Iran produit 120 tonnes. Donc je dis moi que le safran français a un bel avenir parce qu'il y en a trop peu. Et c'est vrai que moi personnellement, j'ai épuisé la récolte de l'année passée à la mi-août.
Donc à la mi-août, je me suis mis à me réjouir de la récolte que nous faisons pour le moment, qui est formidable. Et donc là, nous aurons de quoi durer un peu plus longtemps, j'espère. Donc, le succès est au rendez-vous, donc voilà. Tout va bien. Alors, c'est lui qui a fait la recherche, excuse-moi. Alors, c'est lui qui a fait la recherche.